Cette volée 2003 n'échappe pas à la règle. Ils étaient une soixantaine de candidats aspirants guides au départ. À ce stade, ils sont encore une quarantaine en course. Dernière ligne droite pour ces rescapés du dernier cours d'été. On est parti à 5h du mat, on a marché 13h30. Bon, on a fait deux pauses de 20 minutes, mais la fin là, c'est chiant. On est tous plein l'os. Hein. Tout ce qu'on descend maintenant, on le remonte. Ah ouais, c'est bien. Sinon, c'est un grand moment. Vous avez ouvert le bois, vous avez fait une première. Nous sommes à 10 jours du coup près final. Les dénivelés et les heures de marche en haute montagne s'accumulent, laissant parfois le doute s'installer. Je sais pas trop où j'en suis, mais. Il y a quelques années, j'y croyais vraiment, quoi. Puis ça me plaisait. Mais je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Et puis maintenant, ça me plaît plus. Ces arêtes, j'ai carrément la pétoche maintenant. Je me surprends à avoir peur, quoi. Et puis si tous les matins, tu déjeunes et puis tu te dis, mais est-ce que ce soir, je vais souper? C'est pas une vie non plus. Et puis si c'est pour rentrer tous les soirs avec des ulcères gros comme des assiettes à soupe, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse vraiment pas. Bon, ça, c'est à chaud. Hein. Peut-être qu'il faut encore que je digère tout ce que j'ai vécu ces derniers jours. Pour étudier, ça. C'est un bon de la cabane. C'est clair, on a une bombée. Il ne faut jamais vendre la peau de l'eau. Oui, on n'est pas en bas. Hein. Par souci d'équité, les candidats changent régulièrement de chef de classe. Cyril, je te fais un cadeau. Ouais. Tu nous emmènes. Ouais. Non, non, on va monter du même emploi. J'ai une mine. 4 220 diamètres. Juste pour le matériel, on a tous pris le piolet. Ouais. Le casque, les tests de bonnet, mis à glace pour chacun. Faut prendre les crampons. Oui. T'as les crampons? Ouais. Ah non, c'est bon. On sort mal aux pattes. La frite. Et bonne journée. Bonne hein. Journée, hein, ce soir. Ouais, ciao. Pas de m'avoir gagné. Ouais. Alors, gants, bonnet, lunettes, abonnement, ski, bâton. On est tous prêts. On y va? À chacun son sommet. Le Zinal retourne pour les uns, la dent blanche pour les autres. Deux 4000, deux grands classiques des Alpes valaisannes. Première difficulté à surmonter, être capable en pleine nuit de trouver son chemin. C'est tout juste si on a pris le temps de jeter un regard à Sa Majesté le Servin. La machine est lancée, choix d'itinéraire, rythme imprimé à la cordée, manœuvre de corde, passage délicat au-dessus d'une crevasse, capacité de prendre la bonne décision au bon moment. Les candidats sont jaugés, analysés en permanence par leur chef de classe. Chacun compte les pas et les jours qui les séparent des derniers examens. Après une première semaine de tempête, le moral remonte en flèche. Ouais, c'est cool ici. J'aime bien. Puis la semaine passée, il faisait mauvais et tout. Ouais, c'était un peu pénible quand même, je crois. Mais maintenant c'est cool, on a le beau temps, on fait des super tours. Ouais.
On voit arriver le bout. Chaque candidat joue alternativement le rôle du guide et du client. Aujourd'hui, Séverine tient au bout de sa corde un client pas tout à fait comme les autres. C'est tout bonnement son chef de classe. La suite, c'est le passage du le fameux passage du rasoir. Juste là-dessus. Passage très aérien. Passage très aérien, autrement dit le vide, conjugué à l'altitude. C'est la belle vie. La vraie vie. C'est la vraie vie, voilà. T'imagines un jour comme ça être parti dans un bureau toute la journée. Non, ça c'est des belles journées. Hein. Bon, c'est pas tous les jours dimanche non plus, je pense. Hier c'était pas dimanche. Non. De loin pas. Hier elle était maladie. Vous faites la place à mon client, s'il vous plaît. Yeah, monsieur. Délai. Le meeting point. Ça, tu peux lâcher. Non. Un peu plus fort, un peu plus vite. Ça va bien. Allez, bravo. Bravo, bravo. Bravo, Jérôme. Bravo, l'assistant. C'est bien. Bravo, c'est bien. Bravo. Ouais, c'était bien. Ouais. Même très bien. Très bon techniquement, rapide. Avec un client, c'est différent. Il faut toujours regarder derrière soi. Il faut adapter le rythme. Et il faut surtout assurer. Même dans des endroits qu'on croirait faciles, le client néophyte, il n'est pas à l'abri d'une chute. Ce qui est dur dans le cours, c'est s'imaginer un client, quoi. Qu'on n'a pas au bout de la corde et puis qu'on n'a jamais connu et puis qu'on connaîtra bientôt, j'espère. Un seul conseil, la sécurité. Faites attention. Toujours bien assuré. Ne jamais s'engager dans un passage, dans un pas, dans une pente de neige ou de glace ou un pont de neige si on n'est pas certain que ça va passer. Ça, c'est la meilleure des assurances-vie. Sécurité. Prudence. Je crois que c'est bien ce qu'il a dit.
Le rythme imposé pendant ces 10 jours de course reflète assez fidèlement les cadences qu'ils devront adopter avec leurs futurs clients. De quoi laisser Séverine un tantinet songeuse et Yann carrément perplexe. Je trouve hyper violent quoi, le rythme qu'ils ont, ces guides qui font, qui bossent à plein temps. Parce que ouais, y a pas de répit, quoi. Faut prendre le job chaque fois qu'il est là. Au niveau physique, je pense que c'est assez rude, quoi. C'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où c'est beau, aujourd'hui. C'est des efforts qui nous procurent pas mal de plaisir, je pense. Mais par contre, je sais pas si je me vois guider 40 jours d'affilée en été. Ouais, bah justement, 30-40 journées. Je suis pas sûr que j'ai envie. 30-40 journées, si tu veux vivre. Ouais. Ouais, bon, tu peux en faire plus, encore mieux, mais si tu fais 40 journées de 4000 comme ça, déjà fait un joli été. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Je sais que je serai jamais un guide, quoi. Je préfère aller en montagne pour moi, quoi. Parce que là, tu vas pas en montagne. J'ai l'impression que quand t'es guide, tu grimpes pas, tu guides. Hein. Exactement. Tu skis pas, tu guides. Mm-hmm. Donc. Ça, c'est clair, ça. Et puis ça, c'est... je me rends compte que ça me convient pas, quoi. Ça me convient pas. J'ai l'impression que dans la vie, il y a pas mal d'autres jobs où il y a du stress aussi, quoi. Et j'ai l'impression que, ouais, il... Ouais, non, mais il y a un stress différent, quoi. Ouais, si tu veux. Certainement. Moi, je pense. Certainement. Moi, j'aimerais pas vivre le stress que vivent les banquiers, par exemple. Parce que je serais pas capable, puis je serais vert toute la journée. Ouais, ouais. Non, non, par c'est contre, sûr. Bon, bah, que traverser un couloir avec 2-3 chutes de pierre, c'est clair que ça m'embête, mais ouais. J'ai appris un petit peu à le gérer, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'on discutait hier soir, on se demandait si tu banalisais pas un peu le risque. Si moi, je banalise un peu le risque? Non, non, mais à force de travailler comme guide... Oui, bah, tu dois être optimiste pour pouvoir amener tes gens, ouais, tes ouais. clients. Donc c'est clair que devant le client, tu banalises. Intérieurement, c'est pas sûr que tu banalises. Mm-hmm. Et surtout quand t'as perdu pas mal de copains, je suis pas sûr que tu banalises. Ouais, ouais. La veille des examens ressemble furieusement à une veillée d'armes. Des mois d'efforts et de sacrifices, notamment d'ordre financier, chaque candidat aura déboursé environ 10 000 euros pour en arriver là. C'est bientôt l'heure des comptes. Et tu veux que je fasse comment, Fred ? Je fais une réponse. Oui, que ça tienne, oui. Comme ça, demain, ça va lui péter dans les mains et puis il pensera à moi quand il fera son examen. Il va avoir le baudrier qui va exploser. Tu fais quoi ? Tu fais mini-moufle avec la corde ? Ah oui ? Non, mais c'était grave, tu fais mini-moufle avec la corde, tu fais mini-moufle sur la corde. Ouais. Moi, je me sens pas nerveuse, mais en fait, je merde complet dans ces examens. Non, on verra. Faut pas s'attendre à être top performance, je pense. De toute façon, faut faire au mieux, quoi. Non, moi, je vais attendre que ça passe, comme chez le dentiste. Maintenant, vous pouvez attaquer ici les différentes choses. Tout d'abord, c'est Jérôme et Séverine, vous restez ici. Pour vous, ce poste, c'est sauvetage crevasse, hein? Et puis après, c'est Yann et c'est Frédéric qui vont ensemble, qui se déplacent toujours à deux, hein? Le prochain poste serait juste ici, là derrière, et c'est la taille du marche. En rentrant de la dent blanche, je m'étais dit à quoi bon s'énerver plus longtemps. De toute façon, les examens, j'ai même pas envie d'y mettre les pieds. Puis en discutant avec mes parents et puis Cyril, ils m'ont un peu convaincu d'aller jusqu'au bout, quoi. Yann ira jusqu'au bout et sans doute a-t-il plus de mérite que les premiers de classe. Ça commence plutôt en douceur,
La taille de marche est le seul geste qui n'a pas changé depuis que ce métier existe. C'est des sculpteurs de glace. C'est l'amour du travail bien fait. C'est pas moi qui vais sauter dedans. Toi, t'as eu froid, non? Non, pas du tout. Ouais. Non, non. Ok, boy. Tu peux faire plus long, bien. Ah, c'est bon. C'est bon. Autrement plus complexe, le sauvetage en crevasse. Une opération à la fois technique et physique. Cet enchevêtrement de cordes et de mousquetons peut rapidement tourner à la foire d'empoigne. La moindre imperfection a des répercussions immédiates sur le chronomètre, autrement dit, sur la note. Ça n'est pas sorti avec une démonstration, mais pour nous, c'était suffisant. Je suis pas rapide, mais ça a marché, quoi. Ça a fonctionné, puis pour moi, c'est tout ce qui importe. C'est que le principe fonctionne. Tu sortes en 15 secondes ou en 2 heures. Ça fonctionne, puis que c'est pas dangereux. Bravo. Attention, il y a 30 secondes. Ok. Ok, je vais Pas trop de soucis pour Cyril, le plus jeune des candidats. Ses 19 ans ne l'empêchent pas de se livrer à une petite démonstration en escalade de glace. Okay.
31, hein? Ouais. À ce stade, Yann ne se fait plus trop d'illusions. En roue libre, presque décontracté, il se surprend à prendre du plaisir. Il sait parfaitement que les jeux sont faits. C'est un rêve ici. Pour Séverine, en revanche, l'enjeu est énorme. Sur le fil du rasoir, elle n'a pas droit à la moindre erreur. Elle ne peut se permettre une seule note en dessous de la moyenne. Une chute, une glissade, et c'est l'échec. Alors, comment? Ça vous plaît ici? C'est beau par ce beau temps maintenant, hein? J'adore, j'adore. Ouais, je suis content, ouais. J'ai pas mal grimpé. Bon, il y a encore quelques erreurs techniques, hein. Je suis pas assez... je tiens un peu trop sur les bras, quoi. Mais bon. Je suis arrivé en haut, je suis content. C'est génial comme parcours. J'ai trouvé que c'était assez esthétique. La petite traversée et en bas, et après en haut Bierniac. Là, quand je grimpe comme ça, je m'aime assez, je dois dire. Finito! Je ne réalise pas, hein. Moi, je suis bien content d'être resté jusqu'à la fin. Hein. T'avais raison, Mia. C'est vrai? Ouais. Non, sérieux? Ouais, c'est cool. Ouais, ça me que du bonheur. Je suis content d'être allé au bout et puis de pas avoir renoncé et puis de pas être rentré. Ça c'est clair. Pour moi rien que ça, ça m'apporte beaucoup. De pas avoir baissé les bras quoi. Pour éviter les regrets plus tard. J'idéalisais beaucoup le travail des guides. Je me rends compte que ça me convient pas. Je vais pas revenir l'année prochaine. C'est une partie de ma vie qui se termine et puis maintenant je vais passer à autre chose. Quoi. Verdict sans regret et sans surprise pour Yann. Sourire de circonstance pour Cyril et ses camarades de volée. Ils sont désormais aspirants guides. Séverine décroche quant à elle la lune. De cette cuvée 2003, elle sera la seule femme à obtenir son diplôme d'aspirant guide. Ce dernier cours d'été aura mis sur la touche une dizaine de candidats, les dernières victimes d'une sélection impitoyable. Ils étaient une soixantaine sur la ligne de départ, ils sont une trentaine à l'arrivée, un candidat sur deux. Arrivée toute provisoire, ces jeunes aspirants ont encore 2 ans de formation sous surveillance pour devenir des guides à part entière. Ils seront alors pleinement en mesure d'ouvrir à leur future clientèle les portes de la haute montagne.